Bonjour à tous, 31 mai 2022. Après 10 jours à être absent, voilà le jardin qui avait été arrosé copieusement avant. C'est la jungle. Donc ça, c'est toute la partie existante depuis quelques années. Et voilà au soleil, là, la partie qui a été faite il n'y a pas longtemps. Donc ça a été fait ben, en fait il y a 2 mois, la pose d'ardoise, l'extension. Et aussitôt ont été mis des plants. Donc là on peut voir, c'est comme ça a rattrapé le niveau du reste quoi. Donc en deux mois c'est la jungle, il y a tout, des côtes de bêtes, des carottes aux pieds, les pieds de tomates là qui font déjà 70 cm de haut, ils ont plus que doublé de taille en 10 jours. C'est incroyable comment ça a poussé en 10 jours, c'est hallucinant. Là, on peut voir le trèfle dans les allées qui s'est bien développé et c'est absolument rempli. Il y a un mélange d'adventices du village et beaucoup de légumes, hein. Ça paraît la jungle comme ça, mais c'est pour la plupart c'est des légumes, hein, qui poussent, dont certains qui montent en graines. Que je vais propager et qui vont me faire du mulch aussi également, hein, je rappelle, pas d'intrants, que ce soit de la paille ou des plantes vertes de l'extérieur, quand on a suffisamment de biomasse qui est créée sur place, on n'a pas besoin d'apporter, ce qui est aussi bien, parce que quand on apporte quelque chose, il faut que le système le prenne en compte et trouve des parades au niveau de l'équilibre chimique du sol. Donc quand ça pousse sur place avec les plantes du village, on n'est pas embêté. Et c'est une stabilité incroyable. Donc là, c'est bien parti. Les plantes courgettes sont en place depuis 10 jours. Le maïs également, un peu plus. 15 jours à peu près le maïs. Donc c'est vraiment ultra dense, il va y avoir un petit peu d'éclaircissage à faire. Pour le reste, les artichauts m'en ont déjà donné quelques-uns. Les fèves, ça va pas tarder. Là, j'ai toutes mes betteraves de sortie d'hiver là qui sont en train de me faire de la graine, donc je vais les répandre un peu partout. Mais là, c'est plein.